Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de la saison 2 de Gotobun. Enfin, il est sorti après un an d'attente et une diffusion repoussée en effet. Ça devait sortir en octobre il me semble, mais bon du coup avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout, bah, au final ça a été repoussé en janvier et l'épisode est sorti hier le 7 janvier. Du coup moi je record aujourd'hui parce qu'hier j'avais pas le temps. Du coup voilà, j'ai pas encore vu l'épisode, j'avoue je me suis spoil l'ending et l'opening, donc voilà, mais mis à part ça, j'ai rien vu de l'épisode. Après bon, je connais déjà l'histoire puisque j'ai lu le manga, et j'ai terminé le manga, donc voilà, à partir de là, il n'y aura pas trop de grosses surprises. Mais bon, je suis vraiment impatient de voir cette saison, puisque, ah voilà quoi, j'ai fait quelques vidéos dessus, quelques vidéos pour parler justement de cette saison 2, et franchement c'est pas du lourd du tout en fait là que qu'on va avoir. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, je vais être très pointilleux, attention, et puis voilà, on va commencer sans plus attendre. Je rêvais. Aïe aïe aïe. Ouais, là c'est le flashback quand j'étais petit. Ah, la musique elle s'arrête d'un coup. Ah voilà, ça c'est l'opening. Du coup vous aurez pas le son hein, parce que sinon je me fais strike. Ça c'est le meilleur moment de l'opening. C'est le meilleur moment de l'opening. Elle est toujours en train de faire ses cours Futaro, hein, toujours en train de réviser. Flashback de la saison 1. Putain c'est bon en réalité. Là franchement là, les images qui sont passées là c'était grave beau. Bon là c'est un peu moins beau déjà mais c'est pas grave. Nino. Quand t'as entendu la série de Nino, c'est drôle. Le bracelet. On se demande bien pourquoi elle se cache. Hein. Putain, Yotsuba, c'est... Oh, ça m'énerve. Oh. Sa voix, Yotsuba, ça m'énerve. Par contre, là, les OST, là. Les OST, incroyable. Hein. Je jure, c'est un chien, Yotsuba, littéralement. Hein. Mmh. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça m'a fait peur un peu. Petit flashback là, aïe aïe aïe. Et parce qu'elle veut, elle veut se donner à fond pour son rêve. Eh vraiment les OST, elles sont grave bien là. D'ailleurs les autres Futaro ont changé, hein. Ils sont passés de bleu à jaune. Ok Mikasa. c'est drôle ça. Eh hey, mais Yotsuba, je la supporte pas. Dans l'anime, je la supporte pas vraiment. Sa voix, elle m'énerve en fait. Elle est trop dynamique. Mais où est Itsuki? Tiens, tiens, tiens. On se le demande. On se le demande plutôt. J'ai capté un petit truc d'ailleurs. Oh! Oh! Ah lui! Lui! Non mais du coup on sait pas encore qui c'est à ce moment là. Enfin pour les animonies. D'ailleurs il y a des scènes qu'ils ont zappées et des scènes qu'ils ont rajoutées du coup là. Lui c'est même très différent en fait maintenant que j'y pense. Au final c'était même pas là pour lui en réellement. Enfin en réalité. Ah ouais, ouais. Lui. Kintaro. Je vais rien dire pour ceux qui sont pas captants encore qui était la personne du coup. Eh hey, mais... Est-ce que c'était pareil dans le manga? Je sais plus. Ils sont mignons là tous les deux. J'aime bien. Ah bah, mes affaires me le disent. Dain et Yotin. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est l'OST de Réa ça. Non non, c'est l'OST de Yotsuba ça. Attendez, mais je rêve ou... Attendez, c'est quoi les cours de maths qu'il fait lui? Attendez, hein. Mais... Attendez, ils ont quel âge? Non, oui, ils sont bel et bien au collège. Parce que j'ai l'impression de voir des fractions. Et je vois un peu des théorèmes, le théorème de Pythagore, théorème de Thalès, tout ça là. Et s'ils font ça en primaire, voilà quoi. Non, non, je crois qu'ils sont au collège là. Je crois qu'ils ont 12 ans. Et ouais. Coup dur pour lui. Mais pour l'instant je parle pas trop parce que voilà mais j'expliquerai à la fin. Ah le pauvre. Le pauvre, le pauvre.
Ah oui, elle. C'est Chica. ouais, il a pris des photos là, il est dans la sauce un peu. Et là, tel le Messie. Voilà qui arrive. La Nakano. Mais laquelle? Haha, c'est la question. elle est pieds nus? Attends. Ah non, j'ai cru qu'elle était pieds nus. Oh, j'ai eu peur pendant un instant. Ces phrases sont remplies de sens dans un certain sens. C'est drôle ça, parce que le manga là, de l'assistant de Negi, c'est justement sur ça. Sur les prières et tout là. Aïe aïe aïe. Elle est tilt, ça y est. Elles font beaucoup de bruit quand même, hein. Bah du coup vous entendez pas, mais. Oui, à Kyoto en effet. Elles sont belles avec tes cheveux attachés comme ça. Il a toujours pas capté la longueur des cheveux en fait, mais. Allez, c'est rien ça. Là, lui aussi, c'est un chien. Incroyable. Il est bête. Ah oui, cette scène purée. Oh. Aïe aïe aïe. Le mastermind. Ah, donc elle a capté, elle. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que c'est qui la Nakano Loli là? Par contre, les OST, oh, incroyable, vraiment incroyable. Ouais, il le fait exprès là. La fin de l'épisode, la fin de l'épisode. Du coup, j'essaie de faire un truc vite fait. Parce que du coup, normalement, j'en ferai une review à part plus tard, ça c'est sûr. Mais que dire, les premiers épisodes, on s'adapte assez vite en Rokara Design. Donc ça va, ça passe. Parce que du coup, comme les persos sont en animation. Je vais rester sur cette image parce qu'elle est jolie. Comme les persos sont en animation, du coup, ils bougent et tout, ça va, on fait pas vraiment attention et tout. Au niveau de l'animation, franchement, excellent. Excellent, franchement, par rapport à la saison 1, bah, c'est pas du tout pareil. Je dis bien l'animation, hein, je dis pas le style graphique, parce qu'il y a une différence entre le style graphique et l'animation. Mais là, l'animation, franchement, est vraiment stylée, j'aime bien. Que dire d'autre, là, vite fait, ben, il y a eu des scènes rajoutées, il y a eu des scènes enlevées, mais ça, j'y reviendrai au niveau de la review, parce que du coup, j'illustrerai mes propos avec des images. Du coup, voilà, ce sera déjà mieux pour vous, et puis voilà, comme ça vous comprendrez bien tout ce qui a été rajouté, tout ce qui a été enlevé. Après, c'est pas de si gros trucs, enfin. Il y a. C'est. Comment expliquer? Il y a des trucs quand même qui ont été enlevés, mais qui sont un peu gênants, quoi. Genre. Je pense que, genre. Il y a une scène au tout début, à laquelle je pense et tout. Justement, c'est avec le docteur, à un moment, qui pousse Futaro au tout début. Bah, ça, par exemple, ben, il y a quand même une discussion entre les deux et tout. Et en vrai, c'est cool et tout, quoi. Mais là, ils l'ont enlevé, bizarrement. Ils nous ont rajouté, j'ai l'impression, une scène. Du moins, ils nous ont allongé une scène avec un personnage en particulier. Mais bon, je ne dirai pas qui c'est. Et normalement, vous l'avez compris si vous avez regardé l'épisode. Mais je vais rien dire quand même. J'attendrai le moment où on le verra réellement. Ou j'attendrai à la fin de la saison pour en parler. Mais du coup, voilà, ça, il me semble que ça a été rallongé. Je dirais même peut-être rajouté en vrai. Hein. Je sais plus, mais il me semble que ça a été plutôt rallongé et pas rajouté. Et du coup, voilà. Sinon, franchement, les OST, superbes. Franchement, les OST sont excellentes. Il y a des OST de la saison 1, hein, notamment bah, les thèmes des quintuplés. Bah, je pense à celui du coup Yotsuba qu'on a eu durant l'épisode. Mais bon, ça, encore une fois, vous l'entendrez pas parce que si je laisse le son de l'anime, bah, je me fais strike et ça, c'est pas ouf quoi. Et du coup, voilà, et genre, ouais, les OST, franchement, sont excellentes. Et voilà, genre,
Il n'y a rien d'autre à dire, encore une fois, après le style graphique, ça va, encore une fois, on s'adapte assez vite, en fait. C'est pas si gênant que ça. Je sais que moi, quand j'avais vu les trailers, bah après, peut-être que c'est parce que c'était beaucoup plus court et que ça bougeait pas trop, enfin, que c'est même, ça bougeait pas du tout. Du coup, voilà, c'était déjà beaucoup plus gênant, et maintenant, là, avec l'animation et tout, franchement, et les OST aussi en fond et tout, franchement, là, ça passe beaucoup mieux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, dites-moi vos théories ici dans les commentaires. Donc voilà, moi, je vous dis à la prochaine, bye bye!